C'est Julien. Généralement, je me prends pas trop la tête. Je suis pas comme tous ces types qui se montrent sur internet, sans relâche, dans le but de s'inventer une vie. C'est pas pour autant que je sors jamais, ou que je connais personne. C'est juste que je préfère faire passer mes ressentis par écrit. Mais ce que je préfère, c'est pouvoir compter sur des personnes de confiance, comme Lucas. Lui et moi avons grandi et évolué ensemble. Je le considère vraiment comme mon frère. Et moi, c'est Léo. Ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes puissent me trouver superficiel. Mais c'est vraiment pas un problème. Je ne peux pas rester chez moi. Je bouge, je sors. C'est un peu ma philosophie. Je suis comme ça et c'est tout. Lui, c'est Arthur. Il est toujours à mes côtés. C'est le premier à mettre ambiance. Je suis en permanence connecté sur le web. Retrouver des amis, rencontrer des nouvelles personnes. À mes yeux, c'est le plus important. C'est faire la fête. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommet de ce journal aujourd'hui, un violent accident de voiture à Brest. Deux automobilistes se sont percutés dans le quartier de Quérinou. Les deux conducteurs ont été grièvement blessés et ont été transportés à l'hôpital le plus proche. Le trafic a été perturbé pendant plus d'une heure jusqu'à ce que tout revienne à la normale. Passons à la politique maintenant. Une réunion des chefs d'État de l'Union européenne a eu lieu à Paris. François Hollande a reçu... Salut, c'est Lucas, laissez-moi un message. Ouais, allô? Quoi?
commentaire, monsieur Guégan. Bah c'est un chinois, il est à la gare, et tu vois il mange ses nems tranquille. Et puis là, on lui vole ses nems. Et là le chinois il fait... Mais non, faut que tu rentres dedans. Ouais. Celebration tonight. Celebrate.